Et voilà, un des défauts de l'apiculteur, c'est la curiosité. Et donc là, je suis sur le tréchet pour en faire une petite vidéo et voir un petit peu ce qu'on est, surtout. La vidéo, c'est ce gourdeur. Et là, en fait, ce que je vais faire, vous allez voir. J'ai vraiment pas terminé avec la technologie que j'ai créée. Ah, voilà. Vous avez vu le dépotoir que c'est. Regardez un petit peu, jamais vu ça, horrible. Donc là, en attendant, si j'ai pas d'autre fond, je vais nettoyer, c'est tout, rien d'autre à faire. C'est une colonie que j'ai créée l'année dernière, comme quoi les colonies que j'ai créées sont fabuleuses. Genre de critères, jamais vu ça, avec les noirs, même certaines feuilles. Voilà. Voilà, on va replacer exactement. Ah non, mais ça c'est vraiment incroyable. On va replacer la colonie et les abeilles, c'est ça qui est surprenant. Normalement, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur une colonie morte. Pas forcément sur une colonie en bonne santé. Voilà. Bon, avec des noirs, je serais déjà fait bouffer. Faut qu'en début de saison, ça soit globalement assez calme. Voilà. Incroyable. Elles tiennent le cadre, ça va. C'est horrible. Horrible. Il y a un peu de réserve. Donc là, pareil. Je vais décaler un tout petit peu pour faire un état des lieux. Je ne pensais pas voir initialement. Je voulais simplement ouvrir. Et quand j'ai vu les déchets au fond, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Je pourrais laisser ça 15 jours par semaine. Vecteur de maladie. Ah, des abeilles mortes comme ça au fond. Mais encore. Je sais pas quoi en penser cette colonie. Normalement la reine est marquée. Peut-être morte. Allez savoir. C'est absolument pas de couvain. Ah, il y a de la ponte. Si. J'ai vu de la ponte. Et ça va. C'était vraiment de la ponte. On dirait. On dirait que c'est de la ponte. Hein. Allez, on décale. Et là, il y a encore un gros tas d'abeilles mortes. Ah. Il va falloir que je recommence ici. Cette étape. J'ai jamais vu ça. Le pire, c'est qu'elle est encore vivante. C'est pas fini, encore plus, elle va tuer. Alors, c'est carrément la base des cadres. Oh. C'est pas possible. Voilà. Ouf.
Ça va, elles tiennent globalement le cadre, pas trop énervé vu les manipulations que j'effectue. Voilà. La réserve. Donc au niveau réserve ça va. C'est une colonie, j'ai pas vu la reine, je l'ai pas cherché non plus. En principe, il y a un peu de ponte, si je ne me trompe pas. Encore de la réserve. Voilà. Je reviens à cadre, ça sert à rien. Il va être vérolé par la postagne après. Un peu de nectar. Voilà. La partition, on la met contre. Voilà. Donc ici à surveiller, honnêtement. Je ne peux pas dire que je suis proche du désastre, mais c'est bon. Pourtant, elles tiennent bien le cadre, c'est ça qui est surprenant, vous voyez. Mais à surveiller. Voilà. À surveiller. Le cordis ici, on va le laisser. Elle était assez juste en réserve. J'avais mis un cordis. Le cordis. Vous voyez, elle sort sur le cordis. Je vais recentrer comme ça. Hop, voilà. 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 Bah, voilà pour cette colonie. Donc on voit ici les déchets. Après il faudra regarder, peut-être une reine dedans. Je sais pas. Honnêtement, aucune idée. Vu la quantité d'abeilles. Mortes. Et ici j'ai pas traité par sublimation. Parce que on pourrait croire que c'est lié à une mortalité brutale. Aucune idée. Sûrement progressivement peut-être. Et puis là, elles ont pas évacué. Ouais, on va surveiller, On verra un peu ce qu'il en est par la suite, mais. Ça normalement faut voir si ça se reproduit pas, sinon c'est une reine à éliminer. Il faut conserver ce type de génétique dans votre sur votre rocher. Voilà. Allez.